وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد Aïcha radhiyallahu anha rapporte également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir une retraite spirituelle, il accomplissait la prière de l'Fajr puis entrait dans son lieu de retraite spirituelle. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La retraite spirituelle, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan. Et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il entrait dans ce lieu de i'tikaf après la prière de l'Fajr de la 21e nuit. On avait dit tout à l'heure qu'il était permis à la personne de délimiter un endroit précis pour faire la retraite spirituelle. Et si ça ne le gêne pas, bien sûr, de dresser une tente comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait lui-même et a demandé qu'on lui dresse une tente. Donc Aïcha radiallahu anha a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me tendait sa tête alors qu'il se trouvait dans la mosquée afin que je le peigne lorsqu'il était en retraite spirituelle. Il ne rentrait à la maison qu'en cas de besoin. Donc on voit que le fait de sortir du lieu de l'i'tikaf qui est la mosquée annule l'i'tikaf si ce n'est pas pour une raison valable ou pour un besoin. S'il avait besoin de faire de se laver ou d'accomplir ses ablutions ou autre, si ces choses-là ne sont pas présentes dans la mosquée, ou de s'il n'a pas de quoi manger à la mosquée, ou personne ne lui apporte de quoi manger à la mosquée, il peut sortir chercher ce dont il a besoin pour manger et entrer directement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas lui-même de la mosquée pour se peigner. Mais il ne faisait que sortir sa tête. On sait très bien que la maison de Aïcha était accolée à la mosquée. Il ne faisait donc que sortir sa tête. Et cela prouve aussi que le fait de sortir une partie du corps n'est pas considéré comme sortir complètement. Et on en tire beaucoup de règles dans cela. Pour l'entrée ou la sortie dans un endroit, et si une femme elle a besoin aussi d'entrer une partie de son corps dans la mosquée ou sa main alors qu'elle est en état de menstrue, alors on considérera qu'une partie du corps n'est pas considérée comme tout le corps entier. De même, on voit dans ce hadith que toucher une femme, sa femme, sans désir n'invalide pas la retraite spirituelle, et que la femme indisposée, elle peut toucher une personne qui pratique une retraite spirituelle et cela ne gêne en rien, car elle était, radiallahu anha, ainsi. De même que son corps, sa transpiration, sa sueur, sa salive de la femme qui a ses menstrues n'est pas impure. Il est venu dans un hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait à l'endroit où Aïcha buvait alors qu'elle était en état de menstrues. Ce qui prouve que sa salive n'est pas impure, contrairement à la religion des juifs qui, pour eux, une femme en état de menstrue, elle est impure, ils l'éloignent, presque il faut qu'elle n'existe pas. Non. Alors que dans l'islam, il y a juste certaines choses qui sont interdites à faire, sinon elle reste sa salive, sa sueur, qu'elle touche une personne, etc., ça reste pur. Et on voit aussi dans ce hadith que le fait de se peigner, de se laver les cheveux, de se laver le corps, de changer ses vêtements, de laver ses vêtements, tout ceci n'est pas contradictoire avec l'i'tikaf, avec la retraite pieuse et spirituelle. Aïcha radiallahu anha dit également, la sunna pour celui qui accomplit une retraite spirituelle consiste à ne pas rendre visite aux malades, ne pas participer à un enterrement, ne toucher et ne caresser aucune femme, ne sortir pour un besoin qu'en cas de stricte nécessité, il n'y a pas de retraite spirituelle sans jeûne, et il n'y a de retraite spirituelle que dans une mosquée où les gens se rassemblent pour la prière du Jumu'a. Le début du hadith, il a le hukm du raf'a, car elle a dit la sunna est, c'est-à-dire que c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants disent que la fin, quand elle parle du jeûne et de masjid al-jami', c'est la parole de Aïcha radiallahu anha. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Celui qui est en retraite spirituelle n'est pas tenu de jeûner, sauf s'il se l'impose à lui-même. Cette parole n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahih, c'est que c'est une parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi. On voit dans ces deux hadiths que l'essence de la retraite spirituelle consiste à couper tout lien avec les créatures et à se consacrer à la conversation avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut rester dans son lieu de retraite et n'en sortir que pour un strict besoin, pour manger, boire, se purifier et ce qui est semblable. Et si on sort pour une raison non valable, alors la retraite spirituelle est invalidée. On voit aussi que celui qui a accompli une retraite spirituelle ne doit ni rendre visite aux malades, ni participer à un enterrement, ni visiter un proche, ni sortir pour un acte d'adoration autre que ce qui se fait dans la mosquée, qui ne lui est pas spécifiquement demandé. Sauf bien sûr s'il est dans une mosquée qui ne font que les 5 prières et il sort pour faire le Jumu'ah par exemple. Là, il devra sortir obligatoirement. Et ce, à l'unanimité des savants. De même qu'il est préférable de faire la retraite spirituelle dans une mosquée où on fait le Jumu'ah. Car ça l'évitera de sortir s'il sort pour le Jumu'ah. Mais ce n'est pas une condition. La condition et l'obligation, c'est de faire l'i'tikaf dans un masjid où on fait les 5 prières. Non. Car les savants considèrent que si une personne sort juste pour le Jumu'ah et revient, il n'a pas annulé son i'tikaf pour ça. Par contre, sortir 5 fois par jour pour aller faire salat et revenir, donc il n'y a aucun sens en cela. Il faut faire l'i'tikaf dans une mosquée qui fait les 5 prières en groupe. Il faut savoir que le Malikiya, ils disent que c'est une condition de validité de jeûner pour que l'i'tikaf soit valable. Et en vérité, la majorité des savants considèrent que ce n'est pas une condition, mais c'est préférable. Et comme on a vu, c'est la fatwa de Abdullah ibn Abbas, que le jeûne n'est imposé que si la personne se l'impose à lui-même. Bien sûr, c'est une sunna à celui qui fait l'i'tikaf de jeûner. Car on a vu dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui a dit la sunna pour celui qui accomplit une retraite spirituelle consiste à jeûner. Donc, c'est préférable et non obligatoire et cela n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un i'tikaf sans jeûner. Sauf que ce n'est pas une obligation formelle mais une recommandation. Une recommandation. Non. Donc bien sûr, ce qui est recommandé pour une personne qui est en retraite spirituelle, c'est d'adorer Allah, d'invoquer Allah, de faire des prières surrogatoires, de lire le Coran, de lire les livres de science, de hadith, et de ne pas s'en consacrer à d'autres adorations qui sont loin et en dehors de ce qui est voulu dans cet isolement et dans le fait qu'il se consacre un moment pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il ne perd pas son temps à parler de ce qui ne le regarde pas, à suivre ce qui ne le regarde pas. Déjà en temps normal, il ne doit pas perdre de temps là-dedans, alors en i'tikaf encore plus. Et concernant le fait de faire l'i'tikaf, autre que pendant le mois de Ramadan, ceci est, comme on l'a dit précédemment, est permis même en dehors de Ramadan. Et par contre, certains savants disent que même quand tu rentres à la mosquée pour le Maghrib ou pour l'Isha ou pour une salat, tu mets l'intention de l'i'tikaf. Mais en vérité, cette parole n'a pas de fondement solide. Car si c'était une bonne chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait indiqué à ses compagnons et il l'aurait fait lui-même ou il l'aurait dit à sa communauté. Donc, on dira que la personne ne met pas l'intention de l'i'tikaf, de la retraite pieuse, s'il vient juste pour prier en groupe dans une mosquée et repartir. Mais il met cette intention s'il a l'intention réellement de rester dans la mosquée pour l'objectif de l'i'tikaf et de s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis les savants ont divergé sur le temps minimum d'un i'tikaf. Certains ont dit que le minimum est une nuit. Et d'autres n'ont pas donné de temps minimum. Quelqu'un peut se dire je fais l'i'tikaf pour, par exemple, toute la matinée ou l'après-midi. Wallahu a'lam. Mais ce qui a été rapporté, c'est que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit j'avais fait le vœu dans l'époque pré-anti-islamique
de faire l'i'tikaf à la mosquée sacrée une nuit. Alors Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors mets en pratique le vœu pieux que tu avais fait. Donc ce qui est connu de la pratique des sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles de la sunna, c'est ça le minimum qui a été rapporté. La nuit, quand Omar ibn Khattab avait fait le vœu de faire. D'où les savants qui ont dit le minimum c'est une nuit. Ils se sont basés sur ce qui existe. Donc maintenant, nous allons parler de quand est-ce qu'est Laylatul Qadr, la nuit de la valeur. Le premier hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte « On fit voir à certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'Qadr en rêve dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je vois que vos visions concordent sur les sept dernières nuits, que celui qui la recherche le fasse donc durant les sept dernières nuits. » Il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Puis, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhuma, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la nuit de l'Qadr, il s'agit de la 27e nuit. Ce hadith, en vérité, c'est une parole de Muawiyah, radiallahu anhu. Il a été rapporté aussi de Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Il a dit, je jure par Allah que je sais quelle nuit est cette nuit-là. On lui dit laquelle, il a dit la 27e nuit. De même que Abu Sa'id al-Khudri dans le hadith de Sahih Muslim, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me prosternerai le matin de Laylat al-Qadri, le matin de la prière du matin de Laylat al-Qadri dans la terre et la boue. » Il a dit « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourner de la prière après la salat du 21e jour de Ramadan et sur son front il y avait et son nez il y avait de la terre et de la boue. » Il a dit donc c'est la 21e nuit. Il est rapporté dans un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des différents livres révélés, qu'ils ont été révélés tous pendant Ramadan, et il a cité les nuits qu'ils ont été révélés, et il a dit « Et le Coran fut descendu la 25e nuit de Ramadan », c'est un hadith sahih. Aussi, il est rapporté dans un autre hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Laylat al-Qadri est une nuit avant la fin du Ramadan, c'est-à-dire la 29e nuit. Donc on voit qu'il y a plusieurs hadiths authentiques qui divergent sur la désignation de la nuit, de quelle nuit est exactement Laylat al-Qadr. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Hajar rahimahullah a dit qu'il y a 40 avis différents qu'il a cités dans Fath al-Bari. 40 avis différents sur cette question. Certains vont se dire, dans 10 nuits, comment il peut y avoir 40 avis? Si vous allez lire, vous allez comprendre. Non. D'abord, on va expliquer d'abord ce que c'est Laylat al-Qadr avant de rentrer dans ce sujet. Il faut savoir qu'il y a deux prononciations pour Laylat al-Qadr. On dit Laylat al-Qadr avec un fath sur le dal et Laylat al-Qadri avec un sukun sur le dal. J'ai fait exprès de ne pas faire le qalqala pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien sur le dal. Laylatul Qadari, ça veut dire la nuit du destin et du décret. Et Laylatul Qadri, ça veut dire la nuit de la valeur, honorable. Et en vérité, cette nuit-là, elle a toutes ses significations. Pourquoi? Car premièrement, elle a beaucoup de valeur. Elle a la valeur, elle a plus de valeur que 1000 mois. Donc c'est la nuit de la valeur. Elle a une grande valeur, elle est très honorable. Et les adorations dans cette nuit-là ont une grande valeur. Mais elle est aussi Laylatul Qadari. Car Allah Ta'ala a dit en parlant de cette nuit, c'est dans cette nuit-là que chaque affaire sage est déterminée et décrétée. Donc c'est la nuit de la destinée et c'est la nuit de la valeur. Cette nuit-là, elle comporte plusieurs caractéristiques comme on l'a dit. Allah Ta'ala y fait descendre les anges du ciel vers la terre. Ainsi, ils descendent avec le bien, la bénédiction, la miséricorde et la paix, avec à leur tête l'esprit fidèle Jibril alayhi salam. C'est en cette nuit noble que débuta la révélation du Coran et qui est le plus grand don et la plus grande miséricorde pour les musulmans. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit clairement, nous avons descendu le Coran à Laylat al-Qadr. Donc, on a vu l'autre hadith qui parle de quand est-ce que le Coran fut descendu à 25e nuit de Ramadan. De même,
En cette nuit se manifeste paix du début de cette nuit bénie jusqu'à l'aube. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. On y décrète les choses à venir dans l'année, comme on a dit, فيها يفرق كل أمر حكيم. De même que la valeur de l'adoration dans cette nuit, et que celui qui prie Laylatul Qadr avec foi et conviction et espoir de la récompense auprès d'Allah, se verra ses péchés passés pardonnés. Une fois qu'on a su cela, alors, quand est-ce que Laylatul Qadr? Il faut savoir que, comme l'imam Ibn Hajar l'a cité, il y a 40 avis différents sur cela. Il y en a même qui disent que Laylatul Qadr n'existe plus. Elle a été levée. Car il y a des hadiths sahiha qui montrent que Allah Ta'ala avait désigné quand est-ce qu'était Laylatul Qadr. Et il a trouvé certains de ses compagnons se disputer. Il l'a oublié. Il a dit, on me l'a fait oublier. On me l'a élevé. Et il a dit, cherchez-la les 10 dernières nuits de Ramadan. Puis dans ce hadith, je vois que vos rêves se sont réunis, ce que c'est sur les 7 dernières nuits de Ramadan. Alors cherchez-la les 7 dernières nuits de Ramadan. Taïb, comment on peut comprendre tous ces hadiths qui désignent des jours différents, qui parfois disent les 7 dernières nuits, d'autres ils disent les 10 dernières nuits, d'autres ils disent les nuits impaires, les 10 dernières nuits impaires. Alors on comprendra, wallahu a'lam. Ce qui est sûr et certain, c'est que Laylatul Qadr est dans les 10 dernières nuits et dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Mais, en réalité, quand les sahaba ont dit, moi, je jure que c'est le 27e nuit, et que certains disent que c'était la 27e, certains ont dit, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterner cette nuit-là, dans la boue et la terre, et il a dit, je me prosternerai ce matin-là, dans la boue et la terre, c'était la 21e nuit. Ça veut dire par là que la nuit de l'Qadr, d'année en année, elle peut être des nuits différentes. Et quand ils ont juré, c'est la 27e nuit, c'est l'année où il l'a vu, lui. Comme Ubay ibn Ka'b. Mais on dira, wallahu a'lam, qu'on l'espère le plus, et la plupart des paroles des sahaba qui ont été le plus transmis et le plus de témoignages des sahaba, c'est que c'est la 27e nuit. Donc, nous disons, inshallah, qu'elle est une des nuits parmi les 10 dernières nuits impaires, et qu'il est beaucoup plus probable que ce soit la 27e plutôt que les autres, mais que ce n'est pas une certitude. Elle peut être la 21e comme c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle peut être la 25e comme au moment où le Coran a été descendu des tables gardées au ciel de ce monde, ou bien n'importe quelle parmi les nuits impaires des dernières nuits. C'est pour cela que le musulman, et c'est une sagesse, comme ça le musulman ne fait pas l'effort juste une nuit, mais les 10 dernières nuits, il cherche et il va en cela, alhamdulillah, accumuler beaucoup de hasanat, et se faire pardonner beaucoup de péchés. Donc c'est une sagesse d'Allah qu'il ait caché cette nuit-là aux musulmans pour qu'ils fassent de plus en plus d'efforts pour cela. Non. L'invocation à dire la nuit de l'Qadr. Aïcha radiallahu anha rapporte, j'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si je parviens à savoir quelle est la nuit de l'Qadr, que dois-je y dire? Il répondit, dis, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. On voit ici que Aïcha radiallahu anha et les sahaba en général cherchaient ce qu'il y a de meilleur. Et ils demandaient comment adorer Allah de la meilleure des manières. Et ils ne posaient pas des questions pour connaître les limites des choses, mais ils cherchaient des questions pour chercher le meilleur et les plus hauts degrés. Pas comme aujourd'hui, les gens ils viennent demander les limites. C'est quoi le halal, le haram? Mais t'es sûr, c'est pas juste détestable. Pourquoi ils cherchent à rester dans les limites? Alors que sahaba, les questions qu'ils posaient n'étaient pas les mêmes. Quelle est la meilleure dua? Quel est le meilleur acte chez Allah? Quelle chose je fais pour gagner le paradis? Est-ce qu'on entend aujourd'hui des gens poser ce genre de questions? Jamais, rarement. Les questions aujourd'hui, est-ce que c'est sûr que c'est haram? Est-ce qu'il n'y a pas divergence? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me permettre de faire telle chose? Donc ça montre notre souci et le souci des sahaba. Comment il est différent? Donc Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, voilà sa question. Si j'arrive à trouver Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dis cette nuit-là? Donc elle a cette envie de connaître la science et par sa cause, maintenant on sait tous ce qu'il faut dire cette nuit-là. Allah Ta'ala il l'a utilisé comme cause pour qu'on sache cela. Walhamdulillah.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué la meilleure dua à demander cette nuit-là, c'est de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Car effectivement, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des manquements, et personne ne peut espérer entrer au paradis sans le pardon et la miséricorde d'Allah. S'il n'y avait pas le pardon et la miséricorde d'Allah, personne ne mériterait par ses actes le paradis. Même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam ? Approchez-vous de la perfection et soyez constants, et sachez que personne ne sera sauvé que par ses actes seuls. Ils ont dit même pas toi au messager d'Allah, il a dit même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Donc, il convient de multiplier les invocations pendant la nuit de l'Qadr, et avec plein d'humiliation et avec un cœur présent, car Allah n'accepte pas la dua d'un cœur absent et distrait. Le dernier hadith du chapitre, le fait de voyager dans le but d'une adoration. Abu Sa'id ibn al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on ne doit voyager que vers trois mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, ma mosquée-ci et la mosquée Al-Aqsa, éloignée. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du voyage religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un voyage dans lequel il y a une récompense et un voyage dans lequel on cherche à faire une adoration, sauf ces trois endroits-là. Par exemple, si quelqu'un veut faire l'i'tikaf. Pourquoi ici ce hadith il est cité dans le chapitre de l'i'tikaf? Car les gens ils vont faire l'i'tikaf où? Dans les mosquées. Certains pourraient se dire: ah tiens, je vais voyager à la grande mosquée d'Alger ou à la grande mosquée du Caire pour faire l'i'tikaf là-bas. Bon, par exemple. Et ceci est interdit. Car les trois seuls endroits où on peut voyager religieusement pour une adoration, ce sont ces trois mosquées-là. Par contre, quelqu'un qui va voyager en Égypte pour voir un pays musulman, voir ses frères, et sur le passage il va à la mosquée, ça il n'y a pas de mal. Mais il ne doit pas faire un voyage exprès en y attendant une récompense précise ou en croyant qu'il y a une valeur spécifique à aller voir une mosquée précise autre que ces trois mosquées citées. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'i'tikaf complet sauf dans ces trois mosquées. Et d'ailleurs, une prière dans le Masjid al-Haram équivaut à 100 000 prières dans toute autre mosquée. Une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières dans toute autre mosquée. Et une prière al Masjid al-Aqsa équivaut à 500 prières dans toute autre mosquée. À plus forte raison, ceux qui voyagent pour aller voir les saints et les tombes, ces gens-là, c'est le plus grand des péchés qu'ils font. Si en plus ils y vont pour faire du shirk, ils annulent leur islam. En ce qui concerne El Masjid al-Haram, les savants ont divergé. Est-ce que toutes les limites sacrées de la Mecque sont considérées comme Masjid al-Haram à la même récompense, ou bien c'est spécifique aux limitations de la mosquée de Kaaba? Alors il y a de longues discussions autour de cela, beaucoup d'avis et de preuves de d'un côté et de l'autre. Certains spécifient cela à la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Masjidul Kaaba. Celui qui prie dans Masjidul Kaaba a 100 000 prières. Et Masjidul Kaaba, il désigne la mosquée de la Kaaba. La mosquée, elle est délimitée par les murs qui l'entourent. Et même si, dans certains textes, Mecca est appelée Al-Kaaba, comme dans le verset Hadian Balir Al-Kaaba, ça, c'est min babi tasmiyati shay'i bi juz'in minhu ou bi ashrafi juz'in fi. C'est appeler une chose par une partie d'entre elles. Ça ne veut pas dire qu'elle prend le statut de cette mosquée. Et d'ailleurs, est-ce qu'il serait acceptable ou si quelqu'un voyageait, si on dit cela, donc on pourrait dire que c'est permis de voyager de la France pour aller à Masjid Ibn Baz ou à Masjid Faqihi dans Hudud al-Haram. Est-ce que c'est Masjid al-Kaaba? Donc, Wallahu A'lam, les deux avis ont des arguments, mais il est sûr, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup plus de valeur et de récompense à prier dans Masjid al-Kaaba. Car le nombre de prières
il est plus proche de la Kaaba, il prie dans l'enceinte de la mosquée, il sort de la divergence entre les savants. Et puis, le fait que tout ce nombre de prières soient réunies donne, Inch'Allah, plus de hasanat et plus de valeur à la prière qui est faite en groupe. Et bien sûr, on parle surtout de la prière obligatoire. Surtout de la prière obligatoire. Car la prière surrogatoire, la meilleure prière surrogatoire est celle qu'on fait chez soi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui avait dit qu'une prière dans sa mosquée équivaut à 1000 autres prières, il ne faisait pas ses prières surrogatoires à la mosquée. Il les faisait chez lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il aura encore plus de valeur à les faire chez lui. Mais Inch'Allah, un voyageur qui vient de loin, on espère pour lui, il fait le maximum de salat dans le masjid al-Haram ou dans le masjid al-Nabawi, en espérant pour lui qu'Allah lui multiplie la valeur de ses prières. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا